livre sur l'Inde. Excellent. C'est un voyage que j'ai toujours voulu faire depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que j'attends de venir. Et cette année, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé que c'était mon année, qu'il était grand temps que je m'y rende. Voilà. Je suis dans ce train pour me rendre à Hampi, pour aller visiter Hampi. Aller voir les temples pour, voilà, parce que beaucoup de personnes m'ont conseillé d'aller sur ce site. Voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai réalisé après coup que ce lieu était investi par les singes et j'ai un très mauvais souvenir d'une agression par un singe. Donc j'espère que ça va le faire avec les singes. Je m'appelle Suraya Mahmoud et je viens de France. De Marseille. Je suis ici pour soigner mon cœur suite à une séparation, voilà, difficile. Et donc ici, ce qui est très étrange, c'est d'être seule, tout simplement. Et de tout faire seule, quoi, de voyager, de se promener, de n'avoir personne avec qui partager tout ça. Toutes les émotions suscitées par le voyage. Donc c'est très troublant. Donc c'est troublant et donc parfois c'est beau, parfois c'est triste. Donc c'est, voilà, c'est très riche en émotions. Je rêve pas trop en ce moment. Je suis dans la réalité, dans le présent. Je rêve pas trop, en fait. J'essaie de pas me projeter en avant. J'essaie d'être là vraiment dans l'instant, de laisser mon passé derrière, d'être là, mais je n'arrive pas à me projeter. Je ne veux pas me projeter. Donc je rêve pas beaucoup.